Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un haul Shein. Oui, j'ai encore pu faire une collaboration avec Shein. Ils m'ont permis de choisir 5 vêtements parmi une sélection d'articles. Du coup, cette fois-ci, j'ai un petit peu changé. Donc, on a des vêtements un petit peu plus classe et en même temps, on a des vêtements un peu plus casual, streetwear, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, si vous voulez voir ce que j'ai choisi, c'est parti. Donc on va commencer avec ce que je porte, c'est-à-dire le petit top que j'ai, qui n'est pas un top en fait, qui est un maillot de bain. Oui, je l'ai trouvé trop canon quand je l'ai vu sur la photo. Sauf que, ma foi, le bas, quand je l'ai ouvert, j'aurais dû filmer ma réaction quand je l'ai ouvert. Donc à savoir, je fais un 40-42, donc un taille L. Et quand j'ai reçu le truc, donc voilà. Pour que vous voyez bien, vraiment où est-ce que je rentre le matériel là-dedans, hein? Le matos, il rentre où? Shein, c'est pas du L ça, d'accord? Ça prend même pas la moitié d'une fesse. Donc je suis dégoûtée parce que le maillot de bain est super beau. Donc le haut est canon. En plus, vous voyez, vous pouvez le porter en maillot de bain ou en top, tout simplement. Un peu franchement. Plus français moi, un peu bling bling, tu vois, un peu streetwear, bling bling quoi, j'adore. Mais voilà quoi, je suis un peu deg. Bon, par contre la matière, ça fait vraiment coton, donc ça fait pas matière maillot de bain, c'est un peu bizarre. Donc je pense quand même que c'est fait pour, mais bref, du coup bah, c'est clair que je suis obligée de le donner. Donc clairement je ne sais pas si même un XL ou un double XL rentrerait sur moi. Après c'est le modèle aussi du maillot, comme ce sont des chaînes, forcément c'est pas élastique. Donc voilà, je sais même pas si ma cousine ou ma soeur rentrerait dedans, parce qu'elles font un 34-36. À voir quoi. Enfin si, ça irait peut-être au niveau de la tête, je sais pas. Enfin bref, franchement je suis un peu déçue là, mais bon. C'est la seule pièce où vraiment j'ai été déçue. Ensuite, j'ai choisi une combinaison rouge qui est juste magnifique. Le petit bémol, c'est que en fait, j'ai pris une taille L, donc en bas ça me va, mais en haut c'est toujours le problème en fait. En haut, je fais plutôt un ML, tu vois. Donc du coup, c'est un peu large. Donc après, ça peut se reprendre, hein, mais c'est juste ça. Mais sinon, la combi, je la trouve super jolie, super classe, avec une petite ceinture devant à nouer. Je suis fan, j'adore. J'adore la couleur. J'ai choisi rouge. Vous avez plusieurs couleurs, mais j'aime bien, et je pensais pas que ce style de combinaison m'irait. Déjà au niveau du bidon, puisque j'ai du bidon, et du coup bah, j'ai mis la ceinture, j'ai attaché devant, et ben je trouve que ça cachait, donc je trouvais ça pas mal. Et je me suis dit en bas ça va pas m'aller, l'espèce de pantacourt un peu large comme ça, et en fait ça fait super joli. Donc avec des petites chaussures à talons, je trouve ça canon. Si vous pouvez porter des talons plus haut, je pense que ce sera encore plus joli. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, cette robe longue style broderie anglaise, vous savez que j'adore ça. Je vous avais montré une robe de broderie anglaise aussi dans mon premier haul. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter celle-ci qui est jaune, très très longue, super belle. Le seul truc, c'est que j'ai pris du M, donc ça va. Sauf que je pensais que c'était quelque chose d'assez évasé en fait. Et du coup, bah pareil, comme j'ai du bide et les fesses, c'est pas la robe qui me sied le mieux. Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus large. Mais si je prends du L, ça va être trop large ici en fait. Mais bon, après, c'est ma morphologie. Mais voilà, franchement, elle est vraiment très belle. Je l'ai pas mise avec un grand panier, mais je l'aurais mise avec ce genre de panier-là, tu vois. Ou un panier, si vous avez des grands paniers en osier, je trouve ça super joli. Et voilà, c'est juste, bah, c'est pas la robe qui me va le mieux à ma morphologie, quoi. Mais elle est trop belle. Et le jaune, par contre, au teint, c'est magnifique. Elle est canon. Après, voilà, hein, je pense que je perds un petit peu de bidon, voilà. Mais je peux pas prendre une taille L parce que ce sera trop grand, en fait. L'avant-dernière pièce, c'est le short que je porte là, mais vous ne le voyez pas, mais vous le verrez juste ici. Donc c'est un short un peu basketball. Donc vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, que je suis aussi bien sneaker, streetwear, mais aussi bien blazer, classe, etc. Donc j'ai plusieurs styles. Et du coup, je voulais vraiment un short comme ça, un peu ouais, streetwear, basketball. Sauf que bon, j'ai pris du L, mais j'aurais préféré prendre un XL pour que ce soit un peu plus oversize, tu vois, vraiment un peu plus large au niveau des cuisses. Mais je l'aime bien. Après, c'est un short vraiment multifonction. Vous pouvez le porter ben, soit chez vous,
soit vraiment pour faire du sport, soit pour un look streetwear, pour y rajouter, comme j'ai fait, une petite veste en jean comme ça, courte, une longue chemise, un long t-shirt, ou rentrer le t-shirt à l'intérieur. Enfin voilà, vous avez vraiment plusieurs styles avec ce type de short. Donc vraiment, j'ai bien aimé, la qualité est bien. Et en plus, vous avez plusieurs couleurs, il me semble. Il y a un jaune qui est pas mal aussi. Donc voilà. On garde le meilleur pour la fin et c'est cette robe, oh, juste canon ici, mais ça c'est mon coup de cœur, elle est trop trop belle. Donc c'est vraiment une robe, je pense, que vous pouvez mettre pour un événement, si vous avez un mariage, un baptême, quelque chose, un événement. Elle est canonissime, elle est trop trop belle. Donc par contre c'est une robe dos nu. Donc moi perso je l'ai mise sans soutien-gorge, mais si vous voulez mettre un soutien-gorge, il faudra en mettre un sans bretelles, et encore, enfin voilà, quelque chose vraiment d'adapté. Mais elle est trop bien, vous pouvez régler en plus les bretelles, donc ça c'est pas mal. J'ai eu un peu de mal à la fermer derrière, bon déjà parce que bah, derrière c'est un peu compliqué, mais sinon la taille est bien, j'ai pris une taille M, je savais ce genre de robe là, L ça aurait été trop grand, encore une fois, le M ça va, juste derrière, tu vois, voilà. Mais elle est canon, elle est trop trop belle, j'adore la couleur. Oh, elle est trop belle, vraiment. En plus là, tu sens qu'elle est vraiment de qualité. Il y a une doublure aussi à l'intérieur. Si j'arrive à trouver la doublure, hop, voilà, t'as une doublure à l'intérieur, donc elle n'est pas transparente. Pff, elle est trop belle, franchement. Je suis. Voilà, mon haul est terminé. J'espère que ça vous a plu encore une fois parce que vous avez bien aimé le premier. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et dites-moi justement en commentaire quelle a été votre pièce préférée. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je sais que tu as aimé cette vidéo, donc tu aimeras les autres. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, portez votre masque, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye!